Adjoumani dans les Beaux-Draps à Paris, trois plaintes ont été déposées contre Monsieur Adjoumani et ses loubards. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Paris, selon l'agriculture, le film d'Adjoumani continue. Trois plaintes ont été déposées contre M. Adjoumani et ses loubards. Les policiers français présents sur les lieux de tournage, salon de l'agriculture, ont rédigé deux plaintes. Une plainte pour coups et blessures et agressions sur un agent assermenté. Une autre contre, cette fois, contre M. Adjoumani pour emploi fictif sur le territoire français, emploi des personnes en situation irrégulière vu que le prévenu est sans papier. L'avocate de la victime a aussi porté plainte contre Louba Touré Issiaka pour agression, coups et blessures avec préméditation comme l'attestent leurs propres vidéos. Il faut rappeler que la victime était sur son lieu de travail et par conséquent, sa société a décidé elle aussi de porter plainte contre l'employeur des Louba, donc contre Adjoumani. Le prévenu risque 15 ans de prison avec la clé, un rapatriement après la peine. Le Louba Touré Issiaka est toujours en garde à vue. Quant au parleur de M. Ouattara, il s'est mis dans une vraie merde. Ici, c'est la France.